Ben écoute, nous revoilà. Toujours aussi trempé, c'est normal, c'est parce qu'on a fait une suite de vidéos de la vidéo que tu as vue d'avant. Donc, encore avec Cédric, parce qu'il n'est pas parti en 5 minutes. Donc, nouvelle semaine, nouvelle vidéo. Toi, tu t'en rends pas compte, mais nous, on n'a pas arrêté. Donc, nouvelle vidéo, on se retrouve sur la Variety 150, pas 190 Daytona. Tu vois bien, on s'est arrêté où? À montage du moteur, calage pas, montage du moteur dans la cycle. Maintenant, c'est fait. Avec Cédric, on va faire une autre partie. Aujourd'hui, ça va être la partie électrique. Donc, comme tu le sais ou tu ne le sais pas, chez Daytona, il y a un faisceau spécifique obligatoire avec CDI obligatoire. Tu n'as pas le choix, c'est comme ça. Tu ne peux pas garder le faisceau de la Variety ou de ton Apollo ou de ta CRZ, tu ne peux pas. Daytona utilise un faisceau spécifique, un CDI spécifique. Donc là, avec Cédric, on va démonter la moto pour pouvoir avoir accès au cadre et te montrer. On va monter nouveau faisceau, nouveau CD, il n'y a rien de très compliqué. Mais tu es obligé, sache que si tu achètes un 190 Daytona, ils te fournissent bien le CDI. Hein. Moi, je me suis fait niquer, mais ils te fournissent bien le CDI et la bobine, mais pas le faisceau. Donc moi, je l'ai acheté. Et moi, comme je ne savais pas, parce que c'est marqué qu'ils ne donnent pas le faisceau ni rien, moi, je vais tout racheter. Bon, c'est pas grave, ça fera de la pièce de rechange. Donc là, on va sortir le faisceau électrique et tout. Je sais pas si Cédric l'a pris. Non, il n'a rien pris du tout. Donc, je vais te montrer tout ça. Donc là, j'ai les pièces. Donc, il te faut, pour cette opération, un CDI, donc CDI Daytona, tu n'as pas le choix. Il te faut une bobine haute tension. Donc ça, c'est donné avec le moteur. Ça, c'est donné avec le moteur. Ça, c'est donné avec le moteur. Tu le sauras. Moi, je me suis fait niquer. Et il te faut, par contre, un faisceau électrique. Obligatoire. Donc tu vois, moi j'en ai deux. J'en ai deux parce que j'ai tout acheté en double. Parce qu'en fait, ils te donnent tout. C'est con. Mais ça, tu le sais pas parce que quand tu achètes le moteur, ils disent que c'est fourni sans ça, sans ça, sans ça. Donc là, on va prendre faisceau électrique, CDI bobine. Voilà, voilà ce qu'il nous faut pour faire tourner la moto, ni plus ni moins. Une bobine haute tension, un CDI et un faisceau électrique. Donc là, bien sûr, on va aller à la moto et on va te montrer comment tout ça, ça se monte. Bien sûr, on va vérifier que toutes les pièces sont compatibles. On ne sait jamais, c'est pas parce que c'est marqué Daytona que tout va bien. Donc, on y va. Je te reprends. Donc là, on part de zéro. Je te montre vite fait. Après, on fait propre. Là, tu as la partie allumage du moteur. Donc, tu as une cosse ronde. Tu prends, je te montre les câblages. Après, tu fais propre sur ta moto, forcément. Hein, pas pour me faire de la merde. Donc là, tu prends ton faisceau électrique qui est fourni. Donc là, tu sais que la grosse cosse là, c'est ton moteur. Donc tu arrives, clac, tu le branches. Là, celle-ci. Et celle-ci, c'est quoi, Cédric? C'est le CDI. Donc ça, tu arrives, clac. Ouais, c'est un peu mal foutu chez Daito. Il n'y a pas trop de place sur leur faisceau. Mais bon. Hop et hop. Donc là, ton CDI, il est branché. Donc là, la partie allumage, on est bon. Ce fil-là, tu ne le branches pas, tu sauras pourquoi, je t'expliquerai. Il te reste ces fils-là. Ces fils-là, qu'est-ce que c'est? Là, tu as ta bobine haute tension, tu vas venir fixer à ton cadre. Sur ta bobine haute tension, une fois qu'elle sera au cadre, tu vas venir prendre le fil vert qui ira avec la vis ici, comme ça, à la masse. Tu prends la petite cosse comme ça, noire et jaune. Elle vient se brancher ici, comme ça. Voilà. Et le fil qui reste libre, donc celui-là, le noir et blanc, c'est ton coupe-circuit. Donc noir et jaune à la bobine, le vert à la bobine avec la masse, tu vois ici. Et le noir et blanc, c'est ton coupe-circuit. Après, tu viens brancher ton antiparasite, clac, et tu as une moto qui démarre. Voilà, donc bien sûr, on va te montrer ça avec Cédric propre, mais voilà comment ça se passe. Donc maintenant, bah, tu reviens, tu redémontes tout. Hein. Voilà, tu redémontes tout. Bon, le CD, je vais le laisser dessus, je n'aime pas. Bah, tu me diras, je peux même le renlever, mais c'est des cosses à la con, ça. Voilà. Donc voilà, donc là Cédric, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Démonter. Il démonte les carénages, ouais. Pour avoir accès à toute la partie cycle correctement. Donc on te reprend quand c'est fait, bien évidemment. Allez, c'est parti. Donc nous voilà les gars, première étape, vous enlevez votre ancien faisceau électrique. Donc là Cédric est en train d'enlever tous les serflex. Rizlan, quoi. On va enlever le faisceau électrique d'origine. On fait bien attention au coupe-circuit là, parce qu'il faut le débrancher, on le laisse celui-là, le bouton. Donc là, Cédric, il enlève tous les petits réseaux pour pouvoir accéder au faisceau. Le scotch que tu vois, c'est normal, parce que moi, j'avais supprimé le Lehman. Ouais, on l'a protégé, voilà. De la pluie. Maintenant, on va enlever le faisceau électrique. Par contre, le faisceau, tu vois, il est bien fait. Il y a la gaine ronde et tout. Putain, je suis... Ouais, ils l'ont bien fait. Ils l'ont bien fait, celui-là. Ouais, franchement, celui-là, il est bien fait. Il risquait pas de prendre la flotte, tu vois.
Donc là, Cédric, il enlève tout. Là, on a le CDI. Mais bon, comme je te disais, c'est un CDI spécifique Daytona. Donc tout le faisceau électrique d'origine, il faut le virer. Il n'y a pas le choix. Donc là, c'est ce que Cédric est en train de faire. Après, on va aller virer la bobine haute tension qui est là. Pareil, on la change. Il donne avec la Daytona. Elle est peut-être un peu plus puissante. Je ne sais pas. Dans tous les cas, il la donne avec. On la monte. Ils sont fondus, c'est avec. Voilà, vas-y. Hop. Tu peux la débrancher, tu feras moins cher. Ouais. Pour la tourner. Donc tu vois le cadre de la variety, hein, une nouvelle variety, hein. Franchement ils sont cool. Hein. Ouais, il est bien. Ouais. Et tu vois bien. Hein. Il est pas prêt de péter celui-là, hein, je te le garantis. Mais... Il va prêt de péter. 10, 20. Des positions d'amortisseur, etc. Comme je vous avais dit. Donc là Cédric, toi, il est en train de virer tout ça. Il va nous garder le coupe-circuit bien sûr. Ça, c'est des cosses comment tu utilises? C'est des cosses anti-eau. Ouais. Ça, c'est pourquoi ouais, que ça prenne la flotte. Et des engins à l'intérieur. Voilà. Ouais, c'est bien, franchement. Là-dessus, ils ont assuré. Là, Titi va nous enlever. Là, bobine haute tension. Et je te reprends une fois qu'elle est à poil. Allez, c'est parti. Donc là, tu vois, la moto est totalement dépouillée de son faisceau. Cédric, la première chose qu'il fait, c'est qu'il va nous refixer la bobine. Ouais. Bien sûr, tu n'oublies pas de mettre le fil vert d'ol du faisceau avec. Hein. Le masse. Donc il va déjà nous mettre une vis, comme ça elle va tenir, et après il va nous mettre le fil vert. Donc là il nous met une petite vis. Tu veux que je le tienne? Attends, je vais la mettre de l'autre côté la vis. Voilà. Là après il y aura la. Il y aura la masse à mettre. Ah Cédric. Ouais, il n'y a pas beaucoup de place. Cédric a ses petits doigts accrochés. Les Chinois avec leurs petits doigts, ils passent partout. Allez voir. Voilà. Voilà. Maintenant qu'il a mis son premier, voilà. C'est crew, il prend son faisceau électrique qui est là. Faisceau électrique Daytona. Donc la partie là, on s'en fout, Cédric. Il te faut la partie là. Donc il va nous prendre, montre-leur la petite cosse verte. Elle va aller se fixer sur l'autre écrou. Moi, il voit, là. Sur l'autre écrou là. Et le fil noir et jaune, le petit noir et jaune que Cédric va te montrer. Ouais. C'est celui-là. Celui-là vient se brancher à la bobine là, également. La cosse qui a voilà, côté. Comme je t'ai montré tout faut à l'heure. Vous tromper. Donc là, Cédric, il est en train de le faire. Je vais lui tenir ça. Donc là, la bobine est fixée. Le noir et jaune branché, la masse branchée, la bobine fixée. Après, tu prends ton faisceau électrique. Montre-leur le faisceau électrique. Donc là. Et là, c'est tes fils sortis d'allumage, moteur. Donc première chose à faire, tu prends ta cosse carrée là, tu viens la brancher dans le faisceau. Voilà. Paf. Le petit fil là, tu le laisses isoler, c'est normal. Je t'expliquerai pourquoi. C'est quand tu branches le CDI 4 courbes en fait. Celle-là, on l'isolera. Ensuite, non, les deux cosses là, voilà, c'est le CDI. Donc Cédric va prendre le CDI, qui est là, pas, qui est là. Tiens, ouais. Peut-être faire passer les fils avant. Il y a, si pas y a des détrompeurs. Tu peux pas te tromper. Tu peux pas te tromper. Nous, on va essayer de remettre le CDI à sa place d'origine, ce qui est à dire ici. Donc là, Cédric, il fait passer le faisceau correctement. Sachant qu'on a beaucoup de marge normalement. Oh oui, ça va. Putain, il va faire une large. Donc là, Cédric, il va faire en sorte de remettre le CDI que tout passe, comme ça, ça fait propre. Tu viens de dire qu'il y avait des détrompeurs, hein. Tu peux pas te tromper. Oui, non, mais c'est. Non, pour, mais voir si ça passe. Il est perdu. Il est énorme, mais il est énorme. Il est gros. Hein. Oui, mais ça va, au pire, tu le fixeras en dessous là, c'est pas grave. Donc là, c'est branché. Le faisceau électrique, Cédric est en train de le faire passer nickel. Il va mettre des petits serflex partout. Le CD, il est là. Il va passer pile poil avec la selle. Hein. Ça va pas être souci. Cédric, il va nous faire passer le faisceau électrique proprement tout le long du cadre. Tu vois, tout est branché. Il ne reste plus qu'à brancher le coupe-circuit. Et niveau électrique, on sera parfait. Tu vois, rien de très compliqué. Il faut prendre son temps. Donc, normal, les gars. Donc là, le faisceau électrique, il est passé. C'est terminé. Je vais te montrer après. Le tour, donc tout est passé, c'est nickel. Le câble d'antiparasite, je l'ai volontairement passé en boucle comme ça, tout simplement parce qu'il est trop long. Je ne veux pas le couper, je le laisse comme ça, c'est mieux. Je mettrai un petit serflex s'il faut, mais c'est pas gênant. Désolé, c'est Smiker, c'est en train de me bouffer. Donc je vais te montrer comment on a fait. Tout est bien monté, nickel. Le coupe-circuit branché, il n'y a pas de problème. Donc on en a fini avec la partie électrique. Je vais te montrer ça tout de suite. Donc voilà, donc le faisceau électrique. Et entièrement passé, branche au coupe circuit, tout est bien, ça passe là, les réalisants, faut pas les serrer comme un mongol, hein.
Un circuit électrique, ça vit. Hein. Faut pas les comprimer, hein, les fils. Vous le serrez, une fois que ça tient, faut que ça puisse gigoter. Faut laisser un peu de mou, en fait. Ouais. Pour éviter que ça tire sur les cosses et tout le bordel. Donc voilà, on en est là. On en est que le faisceau électrique s'est terminé. Donc là, on sait qu'on a du jus, on sait que tout est bon. Donc bah là, c'est bon pour la partie électrique. Maintenant, ce qu'on va faire, bah, c'est qu'on va s'attaquer à autre chose. Mais tu vois, pour la partie électrique, il n'y a rien de très compliqué. Donc c'est OK. Montage du faisceau électrique. 190 sur Variety, ça passe sans problème. Donc allez, on y va. Cédric qui mange un Snickers. Donc voilà les amis, donc là tu vois le faisceau électrique s'est monté. Donc comme je te disais, il n'y a rien de très compliqué, hein. Tu as juste à raccorder les cosses ensemble, à tout bien faire passer. Le seul truc, c'est que ton coupe circuit, bah, tu es obligé de le remettre. Donc je peux pas te tromper, le vert à la masse et le noir, ok, hein, coupe circuit vert. Ouais, le vert, la masse, le noir sur le fil du noir. Quoi. Tu vas pas te tromper, tu reprends sur ton origine en fait. Voilà, donc là, partie électrique terminée. Donc pour moi, la vidéo partie électrique Variety 150, c'est OK. Daytona 190. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, ça va être montage carburateur et cap d'embrayage. Parce que ça va ensemble, parce que ça va prendre plus la place. Donc je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Et puis bah, ciao, bye. Hein.